Je voudrais aussi rappeler que parmi les dirigeants socialistes qui n'avaient rien, en fait, qui n'étaient ni de gauche ni de droite, il faut, bon, notre ami a cité Jean Jaurès, qui était patriote et soutenait la défense des langues régionales. Mais il faut aussi citer James Connolly, le fondateur du Parti socialiste irlandais, qui défendait le gaélique et qui était un ardent patriote irlandais. Il est mort durant l'insurrection de Pâques 1916, dont en fait on commémore cette année le centenaire. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Olivier François pour La Voix libertaire. Alors je suis moins orateur que mon camarade David Desplais. Est-ce que c'est bon ? Alors déjà, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai choisi d'évoquer La Voix libertaire. Tu as parlé tout à l'heure, David, des libéraux libertaires. Il ne s'agit évidemment pas des libéraux libertaires que je vais évoquer, mais de la tradition anarchiste, communiste ou socialiste libertaire, particulièrement, évidemment, en Europe. Je vais déjà expliquer pourquoi je me suis intéressé un petit peu à l'anarchisme. C'est d'abord parce que j'étais un petit peu frustré de voir le débat en France, au fond, occupé soit par des libéraux de type Attali, des libéraux mondialistes, soit en face d'eux par ce que James Samprin appelait des rébus politiques avariés. Et là, je pense en particulier à la tradition nationale républicaine, à des gens comme Jean-Pierre Chevènement ou Nicolas Dupont-Aignan, qui, face au libéralisme mondialisé, n'ont à opposer que la nostalgie d'un État des Trente Glorieuses. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'évoquer et d'aller m'intéresser à cette tradition anarchiste qui me semble proposer des alternatives plus intéressantes. Et je me suis aussi intéressé à cette tradition en m'intéressant à la question écologie. Car depuis une dizaine d'années, c'est souvent dans le sillage de l'écologie politique radicale que des éditeurs, des groupes militants aux marges des grands courants de la politique officielle redécouvrent la richesse d'une tradition anarchiste que les orthodoxies intellectuelles, qu'elles soient staliniennes, social-démocrates ou libérales, ont longtemps disqualifiée. On les traitait d'utopistes, évidemment, ou de gauchistes infantiles. On peut citer, par exemple, une revue qui a disparu, mais qui avait consacré de très beaux articles à Kropotkin, la revue de décroissance Entropia, ou le collectif anti-industriel Los Amigos de Lude, dont le nom est éloquent, puisque c'est un hommage aux ouvriers casseurs de bassines, Ludite, qui évoque donc régulièrement les œuvres d'Élisée Reclus, de Kropotkin, de Bakounine, ou même de certains naturistes, naturistes pas au sens de nudistes, hein, naturistes et libertaires de la fin du XIXe siècle, qui avaient déjà eu des réflexions écologistes et une critique assez radicale de l'idéologie progressiste. Ou ces mouvements et ces revues s'intéressent aussi aux réactions populaires contre la société industrielle, qui ont souvent des teintes anarchistes, particulièrement en Espagne et en Russie, j'en reparlerai tout à l'heure. On peut aussi citer les éditions de La Lenteur, l'offensive libertaire et sociale, qui a encore aujourd'hui disparu, malheureusement, mais qui avait une revue tout à fait intéressante, où, pour une fois, on ne parlait pas du droit à l'avortement, mais on parlait des révoltes populaires. Alors là, encore, en l'occurrence, un groupe très actif, le groupe antiscientiste grenoblois, Pièces et Main-d'œuvre. Voilà. En insistant sur la critique de l'idéologie du progrès et du culte de la croissance et en réagissant aux dangers que font peser les nouvelles technologies de surveillance sur les conditions d'une vie libre et décente, cette nébuleuse encore informelle hérite à sa manière singulière et critique de l'anarchisme des siècles derniers. Alors plus à droite, on pourrait aussi évoquer deux essayistes catholiques qui ont publié un ouvrage sur l'anarchisme chrétien. Je parle de Jacques de Guillebon et Fall Van Gaver, qui ont fait une relecture assez personnelle de l'anarchisme et qui notamment ont montré que l'idéal anarchiste pouvait tout à fait cohabiter avec une sensibilité conservatrice, voire réactionnaire, en rappelant notamment, et j'y reviendrai aussi, de l'influence de certaines pensées contre-révolutionnaires sur Pierre-Joseph Proudhon, et évidemment aussi de Proudhon sur Jeanne Maurras. Leur ouvrage est aussi un manifeste anarchiste et chrétien. Nous sommes quelques païens ici, mais en effet, il y a dans l'esprit de la radicalité, une certaine radicalité évangélique, des aspects qui peuvent rejoindre la pensée anarchiste. On peut aussi évoquer la figure d'un Léon Blois, qui eut des amitiés avec Georges Darien et avec Zodaxa, que notre ami David Lépée a cité, ou plus proche de nous encore,
l'intérêt que Guy Debord avait pour les catholiques extrémistes, et je vais citer une lettre de Guy Debord à son ami Ricardo Passero, une lettre du 12 avril 1993. Ricardo Passero, qui était un critique littéraire, je crois, d'origine uruguayenne, qui n'était pas particulièrement d'ailleurs un homme d'extrême gauche, ni un progressiste. « Cher Ricardo, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de votre ami Georges Laffy. » Georges Laffy, que certaines personnes ont connu ici, était un maurrassien proche de Pierre Boutan. « Les catholiques extrémistes sont les seuls qui me paraissent sympathiques, Léon Blois notamment. » Voilà, ça c'est une citation de Guy Debord, donc dans une lettre à Ricardo Passero, en, je crois, du 12 avril, soyons précis, 1993. Donc, il y a beaucoup d'éléments récents qui nous montrent qu'il y a une sorte de renouveau, espérons-le, de la pensée libertaire, une pensée qui, quand même, au XXe siècle, a inspiré des gens aussi différents que Léo Mallet, que Louis Guillou, que les personnalistes chrétiens Emmanuel Mounier et Nicolas Berdaïev, que les penseurs écologistes Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, et parmi notre contemporain, il est souvent cité dans l'élément et on a particulièrement d'affection pour lui, évidemment Jean-Claude Michéa, qui se réclame souvent de l'esprit anarchiste. Pourtant, malgré ce regain timide, la pensée anarchiste reste, je pense, voilée par des clichés et des slogans. Le « Ni Dieu ni maître » et le drapeau noir, ou la sombre légende des bandits tragiques et des voleurs de bombes de la belle époque. L'anarchisme est aussi parfois confondu avec une révolte infantile et fiévreuse où le combat pour l'émancipation serait synonyme de toutes les transgressions et d'un libéralisme exacerbé. Aujourd'hui, tu parlais de Nuit Debout, il y a quelques anarchistes qui y traînent, des anarchistes officiels, ceux que l'on croise en général en queue de manifestation, encadrés par la police, les syndicats et les partis de gauche, offre en effet le spectacle affligeant des gauchistes comme les autres, de mutins de panurges qui s'empressent de défendre toutes les bonnes causes de la bien-pensance progressiste. Ces anarchistes spectaculaires et subventionnés s'obstinent, lorsque les élites mondialisées assument fièrement de s'être libérées des derniers vestiges de la morale traditionnelle, à désigner l'ennemi dans le curé en soutane. On a vu des gens de la FA, il y a quelques années, attaquer le pauvre docteur d'or, hein, qui n'en demandait pas tant, ou même la manif pour tous, a dénoncé les figures donc d'un vieux monde patriarcal que le turbocapitalisme a déjà liquidé. En d'autres temps, on peut dire que ces anarchistes postmodernes auraient été justement qualifiés d'idiots utiles. Ces caricatures et ces malentendus, donc, me semblent empêcher encore les meilleurs esprits, vous êtes nombreux ici, à approcher une tradition critique qui pourrait pourtant inspirer des alternatives tant au libéralisme mondialisé et aux idéologies du déracinement, qu'aux tentations du repli sur un État-providence qui, me semble, nous pourrons en débattre de plus en plus moribond, et aux fantasmes de restauration autoritaire qui semblent animer certains cercles ou certaines franges de notre population. De nombreux anarchistes ont en effet souvent développé des pensées et des pratiques à rebours des dogmes progressistes modernes. Je recommanderais notamment la lecture de l'histoire de l'anarchie qui avait été rééditée chez... publié en 1949, qui avait été réédité chez Ivrea dans les années 90, d'un certain Claude Armel, qui écrivait que la révolte anarchiste était une protestation, à l'origine en tout cas, était une protestation de l'antique civilisation paysanne contre la domination du droit romain et la tyrannie moderne de l'abstraction. Cette formule, aussi lapidaire soit-elle, souligne justement cette relation qui a toujours été conflictuelle, particulièrement au XIXe et au début du XXe siècle, des anarchismes avec les forces, les autorités, les hiérarchies nées de la modernité politique et économique. Face au développement conjoint de l'État moderne centralisé et du capitalisme industriel, contre les nouvelles disciplines du travail salarié et les levées en masse, les anarches eurent souvent l'honneur de la lucidité et les intuitions sur le devenir carcéral des sociétés civilisées qui me semblent rester valides à l'heure de la carte d'identité biométrique, du puçage électronique et des normes européennes. Citons à cet égard une célèbre apostrophe de Proudhon que je trouve d'abord très agréable à lire, sur le sort du gouverné, qui semble décrire aussi bien la mobilisation totale des masses soumises des régimes totalitaires du XXe siècle qu'annoncer certains aspects de la vie du citoyen de nos démocraties marchandes et télésurveillées. Je cite Proudhon, je crois que j'ai la citation parce que c'est dans l'idée générale de la Révolution au XIXe siècle, bien en 1851. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu.
Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mythifié, volé. Puis à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble joué, berné, outragé, déshonoré. On pourrait recommander d'ailleurs à Black M peut-être d'apprendre par cœur cette citation de Proudhon qui ferait un très beau rap. Comme l'a rappelé Jean-Claude Michet à propos des premiers théoriciens du socialisme, c'est une illusion rétrospective de classer Proudhon, Kropotkine ou même Bakounine parmi les grands ancêtres des gauches contemporaines. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer dans leurs œuvres de nombreux textes où sont parfois défendus contre l'atomisation libérale et les républiques unes et indivisibles certains aspects sociaux et économiques des communautés traditionnelles. Je vais d'ailleurs à ce propos citer un auteur qu'il faut absolument lire et redécouvrir, qui a été réédité récemment chez aux éditions Sullivan. Il s'agit de Gustav Landauer, qui était un communiste libertaire juif allemand, assassiné en 1920, et qui, dans un livre écrit en 1906, La Révolution, écrit à propos de la société médiévale ces mots, qui pourraient d'ailleurs être écrits par un Gustave Thibon ou même un Maurras ou un catholique social. Il n'y a jamais eu d'individu isolé. La société est plus ancienne que l'homme. Il appartenait aux époques de dissolution, de décadence et de transition de pouvoir créer quelque chose comme des unités humaines atomisées et isolées, des exclus qui ne savent pas où est leur place. Qui voyait le jour à l'époque chrétienne, Landauer, quand il évoque dans ce livre l'époque chrétienne, c'est le monde médiéval. Qui voyait donc le jour à l'époque chrétienne n'était pas né seulement au sein d'une nébuleuse généralisée ou de la communauté familiale bornée, il était membre de nombreux groupements et corporations qui se superposaient et s'interpénétraient tout en restant indépendants. Il était en tant que citadin, membre de sa rue et de sa ruelle indépendante, puis de la section ou bien du quartier, et enfin de la communauté urbaine tout entière. Voilà, c'est une citation qui me semble assez éloquente pour montrer que chez beaucoup d'anarchistes, il y a une sorte d'esprit archaïque, en tout cas une nostalgie pour une certaine harmonie des sociétés du passé. Et c'est là le cas, comme l'explique Maurras, il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé. J'aime beaucoup cette citation de Maurras qui vaut tout à fait pour ces anarchistes. On pourrait dire que les premiers anarches sont révolutionnaires et futuristes en même temps. Et c'est en manifestant cet esprit archéo-futuriste et leur sympathie pour un passé souvent idéalisé qu'ils critiquent radicalement les nouvelles idoles de la modernité. À la centralisation née de la révolution bourgeoise, de la monarchie absolue et accentuée par la révolution bourgeoise de 89, les libertés ont souvent opposé, comme je l'ai montré, les expériences de la commune médiévale et à la division du travail et au bagne industriel, l'idéal de la solidarité des anciennes corporations d'artisans. C'est donc logiquement qu'ils ont longtemps refusé tout compromis avec la bourgeoisie progressiste de leur époque. Une bourgeoisie qui considérait, faut-il le rappeler, au nom des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse loi Chapelier, on y reviendra sans doute pendant le débat, le droit de grève et l'union du prolétariat comme une entrave insupportable à l'individualisme libéral et à la liberté d'entreprendre. Le droit de grève en France est voté très tardivement après la Révolution française. Et grâce à ce combat du mouvement ouvrier, anarchiste et socialiste, peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur le lien entre les deux. Je pense qu'à un moment donné, tous les socialistes ont été des critiques de l'État, beaucoup en tout cas l'ont été, et il y a parfois une sorte de fusion entre les deux, entre l'anarchisme et le socialisme. Et ça, c'est un débat que nous aurons peut-être tout à l'heure. Autre chose, quand la passion dominante de l'étatisme républicain et de l'économisme libéral était une recherche de l'unité abstraite, celle du jacobinisme, on a un débat là-dessus avec David Lépée, ou du grand marché indifférencié, les anarchistes ont cherché au contraire à penser la conjugaison des différences, à trouver entre l'action libre des communautés et l'unité nécessaire, un équilibre qui ne trouve pas sa solution dans le recours à la force coercitive ou la transformation de la société en caserne, ni dans une utopie libérale qui ne reconnaît que des monades consuméristes, égoïstes et productives.
Kropotkine reprochait par exemple à l'État moderne d'avoir détruit les liens unissant les hommes des sociétés précapitalistes, et de préciser que les Jacobins de 93 avaient brisé ceux-mêmes qui avaient résisté à l'absolutisme royal, afin que la nation, je cite Kropotkine, devienne une masse incohérente de sujets que rien n'unit, soumis sous tous les rapports à une autorité centrale. Sur ce dernier point, la critique anarchiste a su reconnaître dans la modernité l'âge des masses et des foules solitaires. Aussi, l'un des intérêts du fédéralisme des libertaires, de Proudhon à Murray-Rothbard, je crois qu'il y a un article en préparation d'ailleurs sur Murray-Rothbard, le libertaire canadien dans Élément, et de ne pas sacrifier à ce fétichisme de l'unité qui a souvent caractérisé de nombreux projets révolutionnaires des siècles derniers, notamment au XXe siècle. Au contraire, il cherche les voies d'une autonomie réelle des communautés humaines. Au tout politique ou à l'attente du grand soir, il travaille ici et maintenant à construire des alternatives. L'histoire du mouvement anarchiste est ainsi jalonnée par de multiples tentatives de rompre concrètement, ici et maintenant encore une fois, et de sortir, de rompre complètement avec l'État et de sortir des grands circuits de l'économie capitaliste. J'y reviendrai peut-être quand, au moment des questions, on peut évoquer évidemment les coopératives agricoles de la Catalogne insurgée de 1936, les écoles autogérées et les différentes expériences de mutuelles ouvrières. Il faut noter aussi qu'à cette défense et illustration du fédéralisme, de nombreux anarchistes ont très tôt ajouté la critique de l'idéologie de la croissance. On peut déjà d'ailleurs en trouver la trace dans certains écrits de Proudhon. Le vieux révolutionnaire regrette ainsi que l'homme moderne, je cite Proudhon, ait foi en ce qu'il appelle fortune et qu'il regarde l'accumulation de richesses et la jouissance qui s'ensuit comme une fin en soi. Il y a toujours quelque chose d'un peu moraliste chez Proudhon. Il flétrit un siècle pénétré de cette croyance plus folle encore que toutes celles qu'elle a la prétention de remplacer. Pour terminer, les anarchistes ont enfin souvent mené une critique radicale des procédures modernes de représentation qui gardent, à mon avis, aujourd'hui une force et une actualité. À l'heure où la nouvelle classe promeut la gouvernance et que les syndicats et les partis de gauche se sont ralliés au dialogue social, de nombreux textes anarcho-syndicalistes demeurent des instruments indispensables pour qui veut combattre les mystifications politiques de notre temps et éviter les pièges de la politique parlementaire. Attaquant le mythe de la souveraineté populaire, ils rejoignent là le meilleur de la polémique contre-révolutionnaire, non pas par nostalgie de l'ancienne monarchie, mais pour défendre une citoyenneté active contre le spectacle de la représentation. Je citerai Édouard Berthe dans son livre « Les méfaits des intellectuels ». Édouard Berthe a souvent critiqué les anarchistes, mais les anarchistes petits bourgeois, mais il a fait aussi une critique très forte de l'État. Donc c'est pour ça que j'évoque Édouard Berthe dans cette petite intervention sur l'esprit libertaire. Donc Édouard Berthe, dans son livre « Les méfaits des intellectuels » en 1914, résume parfaitement les griefs libertaires contre la démocratie représentative. Il écrit que cette démocratie ne conçoit les libertés que comme celles de la monade, ou si l'on préfère la liberté d'Épicure, retirée du monde dans la paix de son égoïste et solitaire ataraxie. Et voilà comment la démocratie entend le peuple roi. De sa puissance collective, il ne reste plus grâce à elle qu'une procession d'ombres craintives qui exerce en tremblant et en se cachant, dans le silence de leur conscience abandonnée à son égoïsme et à sa lâcheté, leur soi-disant souveraineté. L'urne et l'isoloir sont ici les symboles de l'abdication. Dans un langage plus vert, le pamphlétaire anarchiste Émile Pouget, qui avait écrit un livre sur le sabotage, notamment, que je vous recommande, demandait en 1896 au lecteur de son almanach du Père Pénard de lui indiquer une fumisterie plus carabinée, une couleuvre à avaler plus grosse que le serpent boa de la souveraineté populaire. On voit que les anards avaient peu d'illusions sur les chances d'une révolution par les urnes. Si l'anarchisme a parfois péché par son aventurisme et son refus de prendre en considération certaines nécessités de l'action politique, il reste une source vive d'inspiration pour ceux qui refusent la fausse alternative entre les révolutions totalitaires et le cauchemar climatisé des démocraties libérales de marché. Mais sans doute faut-il réviser son histoire et relire ses penseurs à la lumière d'une intelligence plus politique. Faire peut-être cohabiter dans une nouvelle formule d'action et de critique sociale la colère de Bakounine, les intuitions de Proudhon, les pratiques insurrectionnelles des anarcho-syndicalistes, avec la rigueur et la lucidité d'un Machiavel ou d'un Carl Schmitt. Je vous remercie. Merci Olivier.